Bonjour à tous, c'est Akorius, on se retrouve sur Jurassic quoi. Et ça commence, ça commence, ça commence. Eux, ils sont tous les deux dans leur enclos, c'est bon. Eux, ça va. Lui, il est en train d'être rapatrié. Et là, il y a une gamelle vide, ok. Hop, voilà. Alors, eux, ils se sont calmés. Un peu. C'est en train de se calmer en tout cas. Ah, vous avez du caractère, hein? Ok, bon. Ceci étant fait, on va pouvoir se reconcentrer un peu sur nos tâches. C'est-à-dire développer le Nautosaurus, c'est ça. Donc, ah, c'est rien, c'est mon téléphone qui se pète la gueule. Là, on peut vendre, on a développé à fond. Tac et tac. Donc le Nodosaurus, il faut qu'on se concentre sur celui-là. J'ai un mort. Tac. Est-ce qu'il y en a un autre dans le coin? Non. Non, non, non. On va faire ça. Hein. Allez, qui est mort? Ah, un brachiosaur. Ça c'est... On va chercher tac. On va faire un. Hein. En changeant la couleur cette fois parce que je crois qu'on n'avait pas bien le choix. Ah si, je l'avais fait avec la couleur. Donc on va prendre. Mais par contre, on n'avait pas pu l'améliorer à côté survie. 117. 132, c'est très bien. La science se base autant sur l'expérimentation que sur l'observation. Décidément, il y a mon téléphone qui est encore sur le téléphone. Pousse-toi ! Continuez comme ça. Voilà. Ah, c'est bas. Mais on va essayer. Hein. Il y a moyen. Et on avait un diplôme de culte de moins. Pensez à bien nourrir vos animaux. Mais ils sont nourris, mes animaux. Dans ce genre de situation. Ok. Ah, on a un génome, donc on va pouvoir compléter à 60% dès qu'on pourra. Eux, on n'a plus besoin du tout de les gérer. Ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient à me donner. Donc là, à partir de là, on va prendre des contrats. On va viser la sécurité. Certaines choses ne sont ni faciles ni morales. Mais nécessaire. Vous me faites chier avec ça parce que j'ai pas la place. J'ai juste pas la place en fait, c'est pas une question d'autre chose. C'est juste que j'ai plus la place. Tac. Ah, bon, on va envoyer une autre équipe pour ça. Hein. Par hasard complet, nickel. Il y a une autre gamelle à approvisionner. Ah ouais, bah, si c'est eux, on va prendre une autre. On va prendre l'autre équipe. Hein. Ravitaillement de la mangeoire. Hop. J'ai jeté un coup d'œil à ce projet. En fait, passez votre note du service à 1,5. On est si bas que ça. Tac. 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 On est si bas que ça en service. Quelle horreur. Ouais, mais les boutiques, j'ai pas la place en fait. Va falloir que je bouffe sur les enclos des dinos pour réussir à mettre des... Dangereux pour les visiteurs. Je comprends pas pourquoi ils le considèrent comme dangereux pour les visiteurs en fait. Y a rien de cassé ici. On est en chemin pour récupérer la cible. Et Shank machin là, ils réagissent mal ou... Ou il en faut un troisième. Non, il s'en fout d'être tout seul, lui. Bon, on va quand même en récupérer un, enfin, un autre. Hop. Modifier le génome. Il est déjà modifié, sauf ça. Tac. Ok. On a une autre gamelle vide.
Attends, t'en vas pas. Occupe-toi de remplir la gamelle des autres carnivores parce qu'ils sont en train de tous la vider au fur et à mesure. Et celle-là, on peut l'enlever pour l'instant. Ok. Là, je peux casser l'enclos, le réduire. En espérant qu'il le supporte assez bien. Est-ce que ça vous frustre? Non, ça n'a pas l'air. Ah, bon, je préfère seul chunk machin plutôt que... Plutôt que le le brachiosaur. Non, ça va perdre les frustrés. Du coup, là, je fous une boutique. Ça me fait chier de bouffer sur leurs enclos, mais apparemment, ils sont vraiment pas contents de mes prestations. Tac, tac, tac. Fast food. C'est plus petit. Ouais. Là. Et de l'autre côté, est-ce que je peux pas en mettre? Là, par exemple. C'est dans les boutiques, hein, le souci. Une boutique de jouets. Je les ai pas renvoyés. T-Rex. Celui-là il est fini. Ah oui non mais ça revient. Allez, on va faire ça. J'ai un nouveau mort. Youhou. Là, j'ai pas d'électricité, mais on va ranger ça vite fait. Si je le mets là plutôt, comme ça. Bien joué. Je fais ça comme ça. Ok. Et je vais peut-être réussir à avoir la place pour mettre quelques boutiques là sur le côté du coup. Tac, on vient de chercher plus tard. Ok, est-ce que ça monte un petit peu? Oui, ça monte. Ah bah oui, j'ai 1,5. Santé faible. Oh, c'est quoi, c'est tous ces morts d'un coup? Morts de vieillesse. Ah bah oui, j'ai tous en même temps. On part récupérer la cible. Et les autres? Là, c'est une gamelle vide. En route vers la mangeoire. Mais vous êtes sérieux? Bon, remarquez, si ils sont... je les ai fait en même temps que les autres. Bon, bah du coup, que je refasse pas la même crise que tout à l'heure, on va en refaire. On va en refaire tout de suite. Hein. Un comme ça. My machin. Il est où? Là. Un comme ça. Allez, hop. Et en fait, je suis en train de faire de la merde en développant uniquement T-Rex parce qu'en fait, je suis censé faire des recherches sur, sur un qui est là, qui vient d'être débloqué, le Nodo, voilà. Je fais de la merde. Pour changer, hein, vous commencez à avoir l'habitude.
Donc là, les dinos sont en train d'être récupérés. La bagnole. J'ai pas de bagnole en train de provisionnement. Ah, si, il arrive. Entendu. Tac, 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 et tac. Demande enregistrée. Tu nourris tout le monde. Là, du coup, il n'y a plus le poteau électrique. Hein, nickel. En transit. J'ai fait quoi? Oui, ça, tu me le vires. Ok. Et là. Encore un dino mort, mais sérieux. C'est une vraie catombe. Oh. En plus, c'est ceux-là, donc... Demande ils vont me faire chier. Bien reçue. Tac, non, tu vas m'endormir déjà. Tac. Lui, on le déplace par contre. Et lui, il va dans l'enclos. Voilà. Voilà, là. En route pour récupérer l'objectif. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, c'est bon, il est en train de remplir les caméras. Vous parlez d'un bordel. Il faut pas en avoir trop peu, mais il faut pas en avoir trop non plus. Alors, c'est un peu compliqué. La cible a été récupérée. Là, j'ai pas réussi à faire une nouvelle espèce hein, depuis. Hop. On continue avec celui-là parce qu'il me le faut à 60% pour faire plaisir aux gars. Ok. Avec un peu de chance, il y a encore les comptes dessus, voilà. Te barre pas tout de suite. Parce que là, les autres, ils ont dû commencer à baisser. Voilà. Toi. Tu vas dans l'énorme enclos qui est là. La cible doit être évacuée. Et tu fais pas ton chiant comme celui d'avant. Toi, tu m'endors aussi celui-là. Vous avez brillamment atteint les objectifs demandés. Je n'en attendais pas moins de vous. Hop. Ok. On le déplace direct, lui. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Et l'autre, ils vont l'endormir. S'ils y arrivent. Cible arrivée à destination. Oh, ça fait du spectacle hein, pour les gyrosphères ici. Hein. Ils se baladent, ils voient des dinos en train de se faire canarder pour se faire endormir. Et puis alors, il y a de tout. Hein. Et on a encore un mort. Cible en cours de récupération. Et lui, pareil, il faut que je vérifie que... Non, c'est bon. Ça... Il le vit bien. On a redécollé. Ok, alors lui. Il est moins chiant que le précédent. Ah non, c'est celui d'avant. C'est celui-là. La gamelle est en train d'être remplie. Capte tout de suite que ce, le truc il te plaît, s'il te plaît. Non, il a pas envie. Et tout à sa panique. Encore un cadavre. Oh, oh non, mais c'est bon, les gens sont en train de s'occuper. Cible en transit. Mais pourquoi il capte pas que ça lui plaît? Non mais les brachiosaures, ils ont un souci. Hein.
Ah, bah bon sang. Livraison effectuée. Bon, eux. Ils sont bons, ça doit remonter. Il y en a un autre qui arrive. Ok. Ouh. On n'arrive plus à avancer. Hein. Ok, et bah écoutez, j'ai envie qu'on se tente ce T-Rex. On a fait tous les carnivores de toute façon. On a un enclos au centre, un seul. On a différentes couleurs de T-Rex en plus. Viabilité. Si on monte son espérance de vie, ça augmente pas son attaque. C'est déjà pas si mal. Espérance de vie, défense, à la limite. Là j'aimerais bien. Ouais, ça l'attaque, je vais pas la monter. Voilà. Pour l'instant on va faire ça. Hein. 3 millions la bestiole. Incubation de 2 kilos. Ouais, bah pas tout de suite. Et non, en fait, toi, je fais plus de quête pour toi. Toi, je fais plus de quête pour toi. Dinosaures entraînent certaines responsabilités. Chaque vie créée, même si elle a commencé il y a plusieurs millions d'années, a de la valeur. Beaucoup de valeur. Un nouveau contrat pour la sécurité. Empêcher toute coupure de courant. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Ça va être compliqué. Alors étudie attentivement ce contrat. Parce que les coupures de courant, c'est non-stop. Hein. Alors lui, par contre, à mon avis, va être un petit peu long. Hein. Menace de dinosaures. Allez, qu'est-ce qui se passe encore? Il pète son câble. Il n'a pas encore remarqué que tout allait bien. Non. Il panique. Voilà, tout va bien. Et là, voilà, coupure de courant, zéro. Allez, on retourne au départ. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les éviter, en fait? Si, je pourrais mettre du matos pour, mais... on a dit... Bon, on aura bien un moment où il y aura 10 minutes sans, mais bon. Allez, on est parti. Je vais peut-être faire celui-là en premier, hein, parce qu'il me reste qu'un truc à faire pour eux. Enfin, on va voir. Je sens tellement que j'ai fait une connerie de faire ce Rex. L'enclos est grand, hein, je veux dire. Pour une seule bête, ça devrait aller. Les dilos, ça va. Les raptors, ça va. Tout le monde y va bien. Les ceratos, ils sont là. C'est bon. Eh ben bordel. Confort 57, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il n'y a plus assez de parasaures. Il y en a trop qui sont morts. Parasaures. Et là, je viens de faire une merde parce que du coup, je crois que le génome n'est pas modifié. Ouais. Personnellement, je me sers tout le temps des mêmes gènes, en fin de compte. C'est ceux qui permettent de faire vivre plus longtemps, quoi. Tac. Oui, bah... Non, on vient d'en développer un comme ça, donc comme ça. Allez. Le T-Rex, encore. Voilà. Je sais même pas ce qui me manque. Quelle race, quelle espèce j'ai qui est assez bas. Bah, le nodo, le dilophosaure. On peut faire un peu de dilophosaure.
Diplodocus. Dilophosaur. Là. J'en ai combien des parasaures? Ah, il m'en reste deux, quoi. Ah, mais les signes machin, en fait. J'en avais d'autres? Ils sont vachement encombrés. Oh, ouais, je veux dire. Ça en fait du monde dans cet enclos. Bon, vous attendez un petit peu, les parasaures, on va s'occuper de vous. On va essayer de pas me péter un câble entre-temps. On est remonté un peu là, 1,5, c'est toujours pas ça. Les boutiques. Visiteurs, boutique de souvenirs. Peut-être en coller une par là. Elle mange à moitié sur le truc, mais bon. Ils me font chier avec leur boutique. Hein. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Prêt à porter, je crois qu'il n'y a pas ici. Hein. Ok, par hasard, c'est bon. Tac. C'est le parasaur. Je vérifie que je lâche pas le T-Rex sur les parasaurs parce que ça aurait fait un drôle d'effet. Donc le T-Rex est prêt. Allez, tu m'en sors ces deux-là. Et il n'y a pas encore capté que j'avais une coupure de courant. Ah non, c'est pas une coupure de courant, c'est pour ça. Non, ça tient que à la chance, hein, franchement. Autant les évasions des dinosaures, on peut faire quelque chose, autant ça. Qu'est-ce que... Oh putain! Mais quelle gourde! Mais quelle gourde! Non! Ah bah oui, il va se faire plaisir là! Tu me la fais passer tout en haut celle-là. Tu endors direct le T-Rex. Le lézard alpha. Tyrannosaurus rex. Le rex en priorité, le rex en priorité, le rex en... Ouf. Et des adolescents. Et pourquoi shoot-le-moi vite, 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 vite. Présente tout ce que nous craignons du passé, ce que nous croyons avoir conquis alors même qu'il a disparu avant que l'humanité n'atteigne le stade des proto-primes. Ok. Ce qui était vrai. Mais quel boulet j'ai fait. Jusqu'à vous. En plus, je me disais, faut vraiment pas lâcher le T-Rex et tout. Et en voulant mettre les nouveaux trucs à incuber, j'ai appuyé sur la... Quel boulet. Tac tac tac. Bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Il y a le Nodosaurus là, mais on va voir ça après. Ouais, bah alors vous l'avez échappé. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous l'avez échappé belle. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Cible en cours d'évacuation. Du coup, j'ai même pas vu l'animation quand il est sorti Rex. Alors, je... Tac tac tac, bah écoutez, ça a l'air pas mal comme ça. Coupure de courant, on a encore 3 minutes et ça devrait être bon. Je sais pas si j'en suis loin. Putain, je suis pas loin. Mais ça, je crois que ça donne un dino en fait, les quêtes comme ça, donc à la limite. On va voir. Dinosaure mort. Ah, il y a encore un...
Diplodocus. Diplodocus. Demande de récupération bien reçue. Bah, les Diplodocus, c'est vrai que quand je les ai faits, je les ai faits au rabais, donc... Tac. Ah non. Ah si, c'est le dernier que j'ai fait, ça. Tac. Allez, tu m'en refais deux. Tac. Le Rex arrive dans son enclos. J'espère que ça va être assez grand pour lui. Surtout qu'au final, j'ai un enclos de carnivore qui ne servira pas. Donc en fin de compte, je vais peut-être mettre ce qu'il faut pour la sécurité de ce côté. Parce que franchement, côté sécurité, on est... Ou alors un truc de boutique. Parce que j'en manque cruellement apparemment sur l'île. Hein. Ils ont pas l'air contents du tout à ce niveau. Note pour la nourriture, note des boissons et note des boutiques. De toute façon, je pense pas qu'on fasse un Rex avant un petit moment. Hein. Allez, montre-nous la bête. Clôture endommagée. Oh, c'est pas le moment, sérieusement. Où c'est que ça va bouffer d'une clôture? Ah, mais... Opération de transport terminée. Aucun problème. Et vous me réparez cette barrière vite. L'équipe de réparation va s'en charger. Bon, le Rex. Parce que bon, on n'arrive pas à s'en occuper depuis tout à l'heure. Voilà notre Rex. Et du coup, l'enclos lui convient. Par contre, ouais, il faut qu'il soit tout seul. L'enclos lui convient. Bah, en même temps... Un tout petit peu plus de forêt, ça te plairait? C'est ça? Ou... Non, c'est l'inverse. Non, ça lui va bien, en fait, je pense. Il est en train de courir après toutes les chefs que j'ai libérées dans le truc. Ah, trop fragile. Vous avez un don pour résoudre les problèmes. Bon bah, on a eu aucune coupure de courant. C'est un sacré atout par ici. Non, c'était juste à Dieu la chance. J'ai une panne électrique la seconde d'après. Ah, message entrant. Ah, la mission. Alors. En temps normal, contenir nos animaux peut être un véritable tour de force physique et mental. Instinct agressif. Et cette prochaine tâche promet d'être bien plus complexe. Du coup, j'ai pensé à vous. Mon instinct agressif, apparemment, je l'ai pas pris. J'ai eu la réflexe de me dire, ça me paraît être une mauvaise idée, mais ils veulent que je le fasse. La plupart de ces animaux vivent dans un état d'agressivité refoulé. C'est dans leur nature. Dans le cadre de ce projet, on va leur permettre de déchaîner toute cette violence. L'amplifier même. Ça vous permettra d'éprouver vos limites et de voir jusqu'où les dinosaures peuvent aller. Il faut qu'on commence par se pencher sur certaines modifications génétiques. Il nous faut des gènes ayant un impact sur des caractéristiques spécifiques. L'agressivité, le niveau d'attaque, etc. Et inutile d'en parler au docteur Doigt. J'aimerais d'ailleurs ne pas avoir à me répéter sur ce point précis. Compris. On est en chemin pour récupérer la cible. Là. La cible doit être évacuée. Ok, normalement on est bon. Nous en mort deux, ils sont en charge, ils pris en charge. Le Rex. Il y a un nouveau contrat que j'aimerais que vous étudiez. Je sais pas si... Moi je veux bien compléter un génome à 75%. Ah, j'en ai un encore. Ok. C'est lequel du coup le génome que j'ai pas pratiquement, ça va être le dernier là. Ouais, le Nodosaurus. Nodosaurus. Et continue sur Rex. Oh. Ok, les éléments, enfin éléments de recherche en cours.
Je sens qu'ils vont me demander de faire de la merde. Allez, on ramène les parasols. Tout le monde à la maison. J'arriverai jamais à monter là-dessus parce qu'en fin de compte, j'arrive pas à... 29%, je sais pas. Peut-être qu'il y a un truc là entre. Hôtel, il y a déjà. Ça s'est déplacé. Boutique de souvenirs, j'en ai une pas loin. Quand je vous dis que c'était que de la chance que ça dépanne, que ça plante pas pendant. Hein. Bien reçu. Écoutez, ça, je pense que du coup, il n'y aura pas de nouveau carnivore, a priori. Ou alors pas sur style. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non, à la limite, ça va me servir. On va détruire ça. Et je vais mettre des boutiques, hein, parce que il faut que j'arrive à monter le score. Et... Là. Il veut à tout prix... Quoi, menace dinosaure. C'est quoi cette fois? Encore eux? Non, ils sont bien là. Je sais pas ce que c'est quand ils me disent menace dinosaure comme ça et il n'y a rien de menaçant là. Ceux-là, ils ont quoi? Une clôture électrique à la base ou pas? Non, par contre, je vais leur en remettre une, je pense. Parce qu'ils commencent à me saouler. Je crois que maintenant que j'ai l'argent, je vais faire une clôture électrique pour tout le monde même. Ah mais non, après ils vont me demander des centrales en plus. C'est vrai. Du coup, là tu m'enlèves l'eau. Voilà. Et on va faire un petit coin shopping, tout ça, parce que ils me font relativement chier. Une salle d'arcade. À côté de l'enclos du Rex. Je pense que c'est une super idée. D'un point de vue sécurité. Ça, je saurai tout de suite vers qui me tourner. Dénonicus. On va pouvoir procéder aux modifications génétiques. Il s'agit surtout d'accentuer les comportements agressifs des animaux. Une petite minute. Vous comptez leur faire subir ça? J'espère que vous savez ce qui vous attend, parce que moi, je le sais. Et j'ai eu la chance d'en réchapper, ce qui ne sera pas forcément votre cas. Instinct agressif. Allez. Tac. Apparemment, il y a un bâtiment que j'ai oublié de relier. Oui. C'est rien, c'est un T-Rex. Vous inquiéterez pas. Je vais faire comme ça plutôt, ouais. Et du coup, je vais pouvoir supprimer ça. Hop. Ah, le confort, en plus, il a pas intérêt à descendre d'un... Il a vite fait de s'énerver. Bon, en même temps, c'est vrai que ça, on s'attend pas. Fast food, on l'a mis. Salle d'arcade, c'est mis. Boutique de jouets. Génome complet du Rex. Nickel. Ok, et là derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un bowling. On va tout mettre en fait, c'est aussi simple que ça. Il y a un restaurant à l'autre bout là. Avec vue sur le Rex, c'est parfait.
on s'énerve pas, mon coco. Bowling, boutique de prêt-à-porter, il y en a une pas loin, boutique de jouets, on peut rajouter ça ici. J'avais pas mis... Si, ça c'est une boutique de jouets déjà. Ouais. Il y a une game, elle vide. Surprise, c'est les, c'est les brachiosaures. Bien reçu. Pour changer. Tant on va pas le... De retour vers la base, non. Tac. En fin de compte, du coup, je pourrais mettre... Je pourrais mettre autre chose ici. Parce que les diplodocus, apparemment, ils s'entendent très bien avec les brachios dans leur enclos ici. On va essayer d'en mettre un. On va essayer de mettre ces deux-là, et puis... comme ça, ça me permet de faire un autre, autre chose dans l'enclos en haut. Tac. On monte, tout doucement, on monte. Attends, on n'est pas sorti. Hein. Océanique, j'imagine que c'est une couleur un peu bleue, ça doit être cool. Ça monte doucement, mais ça monte. Boutique. Écoutez, je vois pas ce que je peux faire de plus pour les boutiques. Hein. Accessibilité des abris. Il faut que je les... Ah, peut-être les améliorer. Boisson. On peut les améliorer. Opération de transport terminée. Je sais pas si ça va jouer là-dessus. Et toi, tu vas être en nourriture, tiens. Ça, c'est du commerce. Ça, c'est du bowling, c'est du divertissement. Et il y a un dinomore, ok. Un Dracorex. Je crois que j'avais perdu un dernièrement. Non, c'est pas ça. Demande de récupération. Du coup, je me demande si c'est pas le dernier. Demande de récupération bien reçue. Il est bien là. Bah ouais. Du coup, ça me permet de faire d'autres choses dans les enclos en haut, parce que j'ai d'autres dinos et je sais pas quoi en faire pour l'instant. Oui, le Deinonychus, on attend 2 minutes. Bon, on va tout augmenter, ça sera aussi simple. C'est pas... Bah, je suis à 95 millions, hein, je suis pas... en espérant qu'effectivement ça augmente le truc, ça. La cible a été récupérée. Demande de ravitaillement bien reçue. J'ai le personnel, tac. Coupure de courant, allez hop. C'est là ou pas? Ouais, c'est là. Tâche supplémentaire ajoutée. Tac, ensuite. Je sais pas si ça va faire monter ça. 3,5. Ah, j'ai l'impression on est passé 3,1 à 3,5. Est-ce que c'est ça ou l'ouverture de toutes les boutiques? La cible est arrivée à Beauport. Tu vends des peluches toi. Pour varier un peu.
Bon, des combinaisons. Ça s'énerve. Interaction. Ah! Un autre qui aime pas être seul. Chunky machin. Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où. Tâche ajoutée. Demande de réparation bien reçue. Nous avons reçu une proposition que vous devriez vraiment... Maintenir les... Ouais, bah, il faut déjà que je sois... De toute façon, j'ai pas envie de... Non, mais je veux pas la faire, ta quête, en fait. Parce que si je fais cette quête à elle, ça descend sur les autres, donc... donnez-moi une autre quête, d'ailleurs, là-dessus. Je fais mon possible. À Taurosaurus. Alors, faites votre possible pour... Écoutez, on y réfléchit, au Taurosaurus. Les gamelles vides. C'est où? Ok. Tac, 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 confirmé. Tac, tac, tac. Et confirmé. Tu t'occupes aussi de celle-là. Là, on peut en mettre une de boutique en passant. Toi, ouais, mais j'ai un dinosaure en fuite, donc ça s'explique. Ok, coupure d'électricité. T'en es où, toi? Après, non. Je reprends le volant. Non, mais vas-y, fais. Ajouter une tâche. Tâche ajoutée. Et une autre équipe. On va s'occuper de là. Tâche supplémentaire ajoutée. Parce que là, j'ai un souci d'électricité. C'est bon, le Rex n'est pas touché. Mais les raptors, oui. Le Serra aussi. Nickel. J'ajoute ça à la liste. Non mais les gens, il est endormi, arrêtez de paniquer. C'est là, hein. Oui. La cible doit être... Non, on n'a pas encore de Stego, tout ça. Ni de Kentro, d'ailleurs. Les gamelles vides, ça se remplit, ça se remplit. Oh putain. Fais passer ça tout en haut, s'il te plaît. Non, parce que là, on est d'accord que le Rex a une porte de sortie. En cours de transport. Et tu as aussi celle-là à réparer. Bien reçu. Que tu me feras passer aussi en priorité. Elles m'ont toutes lâché. Bon, lui, il fait dodo. Du coup, vous allez me déposer celui-là ici. Et on a toujours notre Deinonychus là qui est prêt depuis je sais pas combien de temps, mais je l'ai pas encore sorti parce qu'à chaque fois il y a des herbivores. Ouh, et je vois que l'épisode est très long, donc on va s'arrêter là et on se retrouve bientôt. Allez, à toutes, à bientôt.